Oui. Mais il n'y a pas de son. Est-ce que j'ai failli dire tout à l'heure? Il n'y a pas de... Ah, te voilà. Comment vas-tu, mon Bonjour, schtroumpf? bonjour. Et Le schtroumpf va bien, comment va le magicien? le magicien, il fait des tours. Et là, il est un peu allongé parce qu'il a une lombalgie. Oui, ça va aller. Repose-toi bien. Et là, Ça va aller. Atmani, bonjour. Salam, Oui, salam. bonjour, 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 comment ça va? Je vais Top. bien, je vais bien. Oui, Est-ce alors qu'on est Désirée se connecté? trouve au Togo, comme Jasmine. Génial. Tous les deux sont C'est au top. Togo. Ouais. Je crois Et là, que... Mani, on n'est pas connecté. Je t'envoie une invitation, si tu le permets. Bah ouais, bien sûr, je vais l'accepter tout de suite. Voilà. Ah oui, voilà, le visage, voilà, ça m'avait l'air familier. Tu sais qu'on a plus ou moins le... Notre entreprise, on a plus ou moins le même nom. Ah, intéressant. Eh oui, c'est une palme aussi. Oui, c'est maintenant que le profil me revient. Parce que quand je suis allé sur son profil, j'ai dit, ah, le visage me disait quelque chose, mais voilà. Moi, mon entreprise s'appelle Palms. Ah, intéressant. Et c'est un acronyme parce que mon associé et moi, on cherchait un nom. Donc, c'était un acronyme qui devait raconter une histoire. Programme d'analyse, leadership, management et stratégie. On a trouvé que Ah, c'était trop long. Et on a pris les premières lettres et ça donnait, moi j'ai mis un peu de fantaisie, j'ai mis un apostrophe. Voilà. d'accord. Alors que elle, c'est Palme. Oui, P-A-L-M. Christian, tu vois. Voilà. Donc, on va dire qu'on est cousins. Je crois qu'il y aura aussi Myriam. Emad sera là ou pas, Christian? Je ne sais pas, je l'ai Dit qu'on relancé est plusieurs cousins. fois. Inès, bienvenue Bonjour. parmi nous. Bonjour Inès. Amina Bonjour tout Gueye, le monde. bienvenue. Jimmy, Bonjour. bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on attend aussi Mehdi C'est moi ou j'ai la et connexion? Myriam en animateur. Ouais, et il y a Inès qui est là, j'ai vu. Oui, Bonjour mais on est... Inès. Bonjour la Bonjour connexion Christian, comment crache. ça va? Ça Ça va bien, ça va bien. On parlait de connexion toi marche un peu. récemment avec Lise. On Ah. s'est dit, il faut qu'on refasse un point avec Inès parce qu'on a plein de choses à se dire. Et au-delà de ce Social Selling Forum où on se rejoint, on va essayer de se retrouver déjà au moins tous les deux pour parler un peu de comment on peut travailler à partir de Tunis Avec ensemble. plaisir. Avec grand Voilà. plaisir, avec grand plaisir, Christian et Élise. Et on pourra aussi faire un petit point par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois. Oui. Et d'ailleurs, c'est bien et tant mieux parce que le hasard fait bien les choses. Le fait qu'Ella soit présente également aujourd'hui, c'est intéressant pour toi sur un aspect qui est tout ce qui est plateforme de talent. Et Ella est la grande prêtresse de la plateforme Palm AI. Ah, Voilà. super, super, c'est intéressant, d'autant plus que on a plusieurs ATS, on a pensé utiliser l'intelligence artificielle pour screener notre base de données Ouais. et on n'a jamais abouti parce que en fait c'est très fonctionnel et en fait il y a beaucoup de travail derrière aussi. Ouais, ouais. Il faut qu'on se parle alors, Inès. Avec Ouais, plaisir. absolument. Moi, je suis une compatriote aussi, Inès, hein, je Ah, suis très bien, tunisienne. enchantée, enchantée, elle. Bon, là, je suis à Paris, enchantée aussi, mais tunisienne comme toi. Très bien. Marahbé. Marabé. Alors, on attend encore Mehdi et Myriam pour lancer les débats. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas encore connectés. Peut-être que Loïc peut
peut les faire, les forcer à venir. Surtout que Ahmed est l'animateur. Aymek, je crois qu'il n'est pas là. Hein. Est-ce que vous savez qu'on a, enregistré? Oui. Tout ce que nous disons est enregistré. Absolument. Oui. En fait, tu attendais qui, Ella? Tu attendais Emad et puis Myriam? Ben, l'animateur, oui, Emad. Bon, et je pense que l'animateur, ouais, il n'est pas là. Depuis le matin. Il n'est pas là depuis le matin. Et là, je vous propose déjà de commencer et puis peut-être ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Oui. Je vais vous commencer, vous entamez votre présentation, votre keynote. En fait, c'est un atelier. C'est un atelier, oui. Alors, sur cet atelier-là, tu veux prendre le leadership? Moi, je dois simplement, comme je te disais, Christian, je dois vraiment partir à 13h30, mais je veux bien animer les débats. Allez, c'est parti, je me lance. Allez, vas-y. Et donc, le thème aujourd'hui, c'est comment bien exploiter LinkedIn pour se faire recruter. Et donc, si vous êtes là, c'est que soit vous voulez recruter des gens, soit vous voulez vous-même vous faire recruter par des recruteurs, des employeurs. Donc, je pense que c'est un format atelier, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment être sur un débat complètement ouvert. Hein, donc, je pense plutôt questions-réponses, que chacun puisse aussi apporter son expérience sur l'usage des réseaux sociaux. Je sais pas si il y en a dans la salle qui ont trouvé leur dernier job grâce par exemple à LinkedIn, mais moi en tout cas je sais que aujourd'hui soit quand on se met dans la posture d'un recruteur, par exemple moi je cherche à recruter des profils, et effectivement très souvent je vais aller les chercher sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement, il y a déjà toute une solution et des outils qui permettent d'aller chercher grâce à des filtres les bons profils, par exemple soit des profils par exemple commerciaux, soit des profils techniques, soit des profils sur le marketing ou des profils financiers ou RH, peu importe. Donc, il y a effectivement une recherche qui est assez facilitée grâce à LinkedIn. Et donc, ça m'amène au point qui va rejoindre le pilier 2. Donc, si vous voulez vous faire recruter, c'est vraiment d'avoir un profil LinkedIn qui soit bien renseigné, qui soit, qui mette en valeur vos expériences, vos réalisations, ce que vous recherchez. Il y a maintenant en plus les badges. Les badges sur LinkedIn, on peut dire qu'on est open to work, qu'on est ouvert à des postes potentiellement. Et je dirais même, quand on cherche à changer de job, ne pas hésiter à être proactif et à aller contacter soit les DRH, soit les Talent Acquisition Managers des entreprises avec une approche extrêmement personnalisée. Tout à fait. J'abonde dans le sens de Hel. Parce qu'on offre en fait on fait de la chasse de tête de dirigeants parmi nos services, mais aussi on accompagne en coaching individuel les managers et les dirigeants. Souvent on accompagne aussi par rapport à la présentation du profil LinkedIn. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons, les dirigeants en général ne donnent pas d'importance aux réseaux sociaux pour des raisons générationnelles ou de raisons de confidentialité, et on doit les accompagner pour leur dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont une plateforme incontournable pour justement le branding de soi-même, mais aussi de pouvoir partager, de rester en contact et en réseau. Et il y a des règles, c'est-à-dire qu'un profil LinkedIn ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. C'est le CV aujourd'hui, je vois de plus en plus d'entreprises ou de personnes qui ne font plus de CV, ils vont faire un extract du profil LinkedIn en PDF et ils vont l'envoyer. Et les entreprises, il y en a, qui acceptent ce format-là par eux-mêmes. D'ailleurs, souvent, les entreprises vont en faire leur propre petite enquête en phase finale sur les candidats pour voir quelles sont leurs activités, leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, oui, LinkedIn, il faut faire attention, Facebook aussi. Fermez vos profils et évitez les photos un peu tendancieuses ou peut-être un peu trop personnelles. Mais il y a des codes, effectivement, que ce soit dans la longueur, dans l'expérience. Et il y a aussi le fait de rentrer en contact le maximum de personnes. Si vous ne pouvez pas accéder à l'abonnement de LinkedIn, vous pouvez, en fait, on peut contourner un peu les limites de l'algorithme en rentrant en contact régulièrement tous les jours avec au moins 10 personnes. Et là, il va donner accès et une visibilité beaucoup plus grande.
Mais aujourd'hui, LinkedIn est un vrai outil de recherche d'emploi, sachant que 90% des emplois sont cachés. C'est-à-dire que les entreprises ne publient pas forcément les annonces. Et ça peut être intéressant de rentrer en contact, comme disait Ella, avec les DRH, avec pas juste les DRH, d'ailleurs juste, si vous cherchez un poste dans la direction financière, d'approcher le CFO ou le directeur financier pour justement dire est-ce qu'il y a des opportunités en amont, parce que c'est lui le donneur d'ordre, en fait, le besoin, c'est le client interne des DRH, il va donner justement le besoin et vous serez vraiment au début de la boucle pour accéder justement à un emploi qui va peut-être s'ouvrir dans un mois, deux mois ou qui est ouvert peut-être depuis deux mois. Ben c'est important et je me permets de reprendre de la parole juste derrière toi pour dire que quant à moi, je suis donc Christian Jumelet. J'ai actuellement un certain nombre de métiers entre guillemets que j'exécute. L'un qui est par exemple depuis de nombreuses années d'être sur les réseaux sociaux. J'ai été dans les tout premiers à ouvrir un compte sur LinkedIn au moment où les fondateurs de LinkedIn ont lancé LinkedIn aux États-Unis. Et dû à un certain nombre de contacts que j'ai dans le monde entier, je fais régulièrement de l'accompagnement de responsables de sociétés, de start-upers, mais pas que, aussi des sociétés largement existantes depuis de nombreuses années. Et j'accompagne des dirigeants d'entreprises pour différentes missions, lorsqu'ils ont, par exemple, besoin de trouver le candidat qui leur va bien, mais aussi pour les aider à grandir au travers de croissance organique ou éventuellement pour trouver des nouveaux canaux de vente pour commercialiser leurs offres sur des continents ou des pays où ils ne sont pas. Alors, c'est vrai que LinkedIn est un fabuleux outil pour permettre de faire cela. Il y a plein d'années en arrière, il y avait que le monde de l'IT informatique numérique qui y était au tout début, puisque c'est comme ça que ça a fonctionné. Et petit à petit, il est évident qu'on va retrouver tous les métiers. Juste une piste que je vous donne à tous et à toutes, qui est quelque chose qui a été lancé il y a déjà 5-6 ans en France. On a conçu un hashtag qui s'appelle « Ici, ça recrute ». Hashtag « Ici, ça recrute ». À quoi sert-il ? Ben, il sert déjà à faire en sorte que des entreprises qui cherchent quelqu'un puissent positionner une offre et elles annoncent clairement qu'elles cherchent tel ou tel profil. Et ça permet également à des candidats, grâce à ça, de voir qu'il y a des offres qui sont ouvertes. Mais en plus de cela, il y a une fédération de beaucoup de volontaires bénévoles sur toute la France, répartis en régions, qui poussent justement ces offres. Et carrément, quand elles voient les annonces, se disent « Tiens, mais ça pourrait intéresser telle personne ». Et elles se mettent à notifier telle personne. Pour votre information, ici, ça recrute. Ça a été conçu il y a quelques années en arrière par un garçon qui s'appelle David Flamand. Et David Flamand, aujourd'hui, dans cette communauté invisible à l'intérieur de LinkedIn, réunit 42 000 abonnés. Donc, sous le hashtag, il y a aujourd'hui 42 000 abonnés. Et je vous encourage à regarder. Mais je dirais qu'à l'extrême, ce qui a été lancé il y a déjà 6 ans avec David Flamand, dans n'importe quel pays, aujourd'hui, on pourrait en faire tout autant. On n'est pas obligé d'être en France pour utiliser ici sa recrute. On pourrait très bien imaginer. D'ailleurs, pour ton information, Inès, il existe une entreprise tunisienne qui s'appelle Ici, ça recrute. Absolument. Cette entreprise existe. Elle n'a rien à voir avec ce hashtag. Enfin, ouais. Sachez que amusez-vous à regarder ce que fait justement sous le hashtag « Ici, ça recrute » et vous allez être surpris. Et pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner également les liens de tous les groupes en France qui existent et qui travaillent de manière bénévolement pour aider l'emploi en France. Très bien. Donc, c'est bénévole, hein, l'activité du hashtag. Totalement bénévole. Ah bon ? Et on fait ça tous ensemble. On s'amuse bien, on ne fait pas de bruit, on ne le fait pas savoir. Parce que ça suffit déjà, parce qu'avoir plus de 42 000 personnes qui sont derrière, ça commence à faire du monde. Oui, c'est pas mal du tout. Ouais.
Et pour rebondir à ce que tu disais, Christian et Inès, je ne sais pas si dans l'audience, vous avez des questions, des partages d'expériences pour qu'on puisse vraiment voilà, être un peu plus précis dans les éléments et le partage du coup d'expériences de notre côté. Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous cherchez à recruter des gens ou est-ce que vous-même, vous voulez vous faire recruter et comprendre comment LinkedIn pourrait vous aider? N'hésitez pas à enlever à activer votre micro hein, pour qu'on puisse. Oui, oui. Allez, on a quelqu'un qui lève la main. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore. C'est Dimitri Ndiaye depuis le Sénégal, Dakar. Bienvenue. Bienvenue. Donc, moi, depuis que j'ai créé mon profil LinkedIn, donc, j'ai rempli mon CV, mon profil. Et j'arrive pas à décrocher un emploi parce que bon, je suis ingénieur génie chimique qui travaille dans le domaine du pétrole. Mm-hmm. Bon, mais ça va pas. Des fois même, je me dis que mais LinkedIn, est-ce qu'on peut trouver un boulot sur LinkedIn? Bon, parallèlement, je suis technicien dans un labo où je travaille en plein temps. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'utilise dans mon profil LinkedIn? C'est comme je suis entrepreneur, je publie mes produits pour que mes contacts puissent le voir. Donc, je publie encore mes retours des clients. Bon, ça devient de plus en plus un profil commercial qu'un profil de candidat à un recrutement, quoi. Puis que, bon, je n'ai pas de retours ni de contacts. Bon, une fois, j'avais un contact qui venait de... vers les Émirats Arabes Unis. Bonjour, ils m'ont contacté de très si bonne heure. Allô, bon, c'est vous, Jimmy. Vous avez une fois travaillé dans une plateforme. Bon. Bon, j'ai dit, bon, je travaille dans le pétrole, mais pas encore dans une plateforme. Bon, et hélas, il n'y avait pas encore de groupe. À part ça, bon, ce n'est pas une expérience vraiment très florissante, quoi. Merci. Mais j'ai une question. Dimitri, pardon. Je ne sais pas si on m'entend ou bien c'est oui, ma connexion. Dimitri. Ah, ça coupe. Je vous entends si c'est bon le réseau chez moi. Dimitri, si tu permets, je suis allé sur ton profil très rapidement. Tes compétences sont comme un cadeau que tu offres, mais quand on va sur ton profil, ton cadeau n'est pas emballé. Pour parler en français facile. Merci. Donc, ça sera difficile d'offrir un cadeau quand le cadeau n'est pas emballé, et surtout bien emballé. Rien que la photo d'abord que tu as mis, on voit un arrière-plan et un champ derrière, alors que il faut une photo professionnelle. Donc, j'ai envie de dire que tu dois travailler ton profil pas comme un CV, mais comme une page de vente. Et aujourd'hui, tu as plusieurs compétences dans plusieurs domaines. Je vois au niveau de info, je suis ingénieur en génie chimique. Moi qui ne sais pas peut-être ce que fait concrètement un ingénieur en génie chimique, tu peux raconter une histoire, tu peux dire concrètement quelles sont les solutions, quelles sont les problématiques auxquelles ton métier répond. Parce qu'aujourd'hui, je veux me coiffer, je vais chez le coiffeur, je veux m'habiller, je vais aller chez le styliste, je veux réparer mon véhicule, je vais chez le mécanicien. Tous les métiers sont des solutions à des problématiques. Donc, en tant qu'ingénieur génie chimique, tu réponds à quelles problématiques? Tu vois? Et ta photo de profil, et puis les différents secteurs où tu as eu à travailler, quand je vais sur ton profil, tu as mis, par exemple, les techniques du raffinage du pétrole brut. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les objectifs que tu avais? Et si possible, même les objectifs chiffrés. Donc, à un moment donné, il faut emballer tes compétences, il faut emballer ton cadeau pour que Ella ou bien Inès ou bien d'autres personnes puissent le... Oui, carrément. Carrément, carrément. Bon, on a Trinité qui veut aussi interagir. Donc, pour terminer avec la photo de profil,
La photo de profil, j'avais vu une photo, mais qui avait un arrière-plan qui était un peu sombre. J'ai eu un souci de connexion. Allô? Désolé, j'ai eu un souci de connexion. Là, je reviens. Oui, oui, tu posais une question. Pour la photo de profil que j'ai changée tout récemment, j'avais une photo où derrière, il y avait un fond d'écran un peu sombre. Bon, comme j'ai cette photo... Va carrément voir un photographe professionnel pour prendre une photo professionnelle, tout simplement. D'accord. Comme je l'ai dit, tu veux offrir un cadeau, mais que tu ne l'emballes pas. Comment tu peux, surtout si tu es en train de séduire, parce que c'est de la séduction. Nous sommes dans la séduction, si tu veux te faire recruter. Excusez-moi d'utiliser peut-être le mot séduction, et là où Inès, mais on est dans la séduction. C'est ça, oui. Donc, comment tu peux vouloir séduire ton futur employeur, ou bien ton futur partenaire, ton futur associé, ton futur, etc., ou bien même te faire recruter en tant que, pas recruter peut-être en tant que salarié, mais te faire recruter en tant que professionnel en génie chimique, si toi-même tu ne te présentes pas bien. Voilà la réalité. Donc, ton profil ne doit pas être un CV. Non, tu ne dois pas réfléchir en tant que CV, mais ton profil doit être une page de vente. Ça doit te vendre. Je suis d'accord. Et pour donc, donner quelques exemples. Je prends un exemple. Moi, aujourd'hui, LinkedIn représente 80% de mon chiffre d'affaires. Et nous travaillons dans 6 pays. À un moment donné, j'ai dû véritablement transformer l'entreprise, changer mon business model. Parce qu'on était beaucoup papier, mais aujourd'hui, on est moins papier, on consomme moins de papier et on utilise des outils automatisés pour aller chercher ce qu'on cible. Donc, avant de faire tout ça, on a dû travailler d'abord sur nous-mêmes. N'est-ce pas le magicien? Donc, aujourd'hui, moi, dans mon domaine, tout le monde sait que je suis Schtroumpf qualité. Je n'ai même plus besoin de dire que je m'appelle Désiré. On m'appelle le Schtroumpf qualité. Ça aussi, c'est un peu comme... c'est une marque de fabrique personnelle, mais c'est un message silencieux que tu envoies, dit le Schtroumpf, ou là, les Schtroumpfs, il y a Schtroumpf qualité, etc. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir te vendre de manière authentique. Et puis, voilà, oser. C'est toujours le mot qui revient. Oser, et puis, voilà. Osons vivants. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait avec. Je suis tout à fait alignée avec ce que disait Désiré. D'une manière concrète et en fait pour les quick fix par rapport à votre profil, déjà le premier contact c'est la photo, elle est importante et vous allez chercher une photo, ce qu'on appelle le portrait américain, le regard direct. Là, on voit que vous prenez un selfie. Donc, la caméra est élevée. Ce n'est pas toujours très valorisant. Donc, en fait, vous portez quelque chose de formal, une chemise, une veste pour montrer votre côté professionnel. L'arrière-plan est un mur uni, pas avec de photos forcément ou un logo d'entreprise, mais quand c'est pour des entreprises. Pas de couleur blanche, de couleur en fait pas foncée, du beige parce que ça ressort mieux. Le blanc fait crier. L'arrière-plan aussi, vous savez, il y a votre photo, il y a un arrière-plan derrière. Ça peut être intéressant de mettre une photo qui vous inspire, mais professionnelle, pour donner un peu de caractère à votre premier contact de profil. Bon, votre titre, Chemical Engineer on Petroleum Field, ça va, mais je rejoins Désiré, l'information, la partie info, c'est votre pitch de vente. C'est quoi le pitch de vente? C'est en fait 4-5 phrases où vous allez vous présenter au niveau professionnel ce que vous avez à apporter comme valeur ajoutée. Vous pouvez parler de votre expérience, le nombre d'années quand on en a plusieurs, les secteurs dans lesquels on a travaillé et les compétences et quelques réalisations rapidement. Mais surtout, dans la partie info, vous allez mettre des hashtags, des mots-clés qui vous définissent. Si vous travaillez dans le domaine pétrolier, vous allez mettre hashtag petroleum services, vous allez mettre hashtag chemical engineer. Pourquoi? Parce que LinkedIn fonctionne comme un moteur de recherche. Les gens, quand ils vont chercher un profil, ils vont mettre un mot-clé. Et plus vous avez le nombre de mots-clés dans votre présentation, dans votre profil, vous allez sortir dans le ranking des premiers. Et moins vous avez des mots-clés, vous allez vous retrouver dans la 4e ou 6e ou 20e page où il faut scroller. En général, il faut un abonnement. Donc, il y a une technique. En réalité, c'est un moteur de recherche LinkedIn. Qu'on le veuille ou pas, il faut dealer avec comme un moteur de recherche, maximiser les mots-clés.
les mots que vous visez. Et ça, dans la partie info, bah, c'est intéressant. Vous avez commencé votre titre, votre profil en anglais. Moi, je vous conseille de terminer en anglais. Si vous voulez des opportunités internationales, il faut avoir le profil en anglais. Maintenant, si vous n'êtes pas forcément dans un environnement international où vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous gardez le français. L'activité, attention, tous les likes que vous mettez vont compter contre vous ou pour vous. Il faut faire très attention aux interactions que vous avez. Parce que quelqu'un qui va regarder votre profil, à un moment donné, il va regarder les activités, ce que vous dites. Donc, il faut faire très attention aussi aux groupes dans lesquels on participe, les commentaires qu'on fait. Non, il ne faut surtout pas oublier que c'est un réseau professionnel et que les avis politiques, personnels et tout ça, on les garde pour d'autres interfaces pour ne pas polluer votre profil ou parasiter votre profil avec une dimension plus personnelle. On passe après et vous pouvez désactiver l'activité hein, aussi. Si vous ne voulez pas qu'on voit vos activités, il y a une option où vous enlevez, où les personnes qui consultent votre profil n'ont pas accès à vos activités, que ce soit vos publications ou vos interactions. Dans l'expérience, souvent, LinkedIn, la force, c'est les images et les photos. Ça bonifie votre profil. Mettez le logo de votre institut ou dans des entreprises dans lesquelles vous êtes. Ça donne un côté assez slick, très propre, très professionnel. Peut-être aussi de détailler un peu plus, 3-4 bullet points ou 3-4 tirés, les tâches que vous faites. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je veux dire, vous avez mis l'entreprise, les techniques de raffinage du pétrole brut. Ce n'est pas votre poste, ça. Je donnais des cours, quoi. Bah, mettez chargé de cours. Vous l'avez deux fois. Voilà, mais il est deux fois. Donc, on ne comprend pas exactement. On a une expérience 7 mois et une autre à 2 ans et 3 mois. Et là, on se dit, mais il était chargé de cours. Il est toujours chargé de cours? Ou est-ce que... Donc voilà, il ne faut pas non plus donner des informations qui parasitent la perception. Il faut que ce soit propre et clair et surtout facile à lire. Et là, vous avez le plus important, Chemical Engineer, et c'est ce que vous voulez viser. Ça, il faut qu'il soit en premier. Alors, c'est en fait, quand vous mettez les dates dans vos expériences, mettez toujours jusqu'à maintenant. Il y a un petit carré en bas, maintenant. Et là, ça va remonter en fait votre profil et de mettre aussi les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé en tant qu'ingénieur chimique. Et toujours le logo. Les forces, en fait, les profils qui sont les plus boostés, ce sont les profils où il y a une animation, soit des vidéos, soit des images, soit des documents. Et là où vous interagissez aussi avec les grands influenceurs. Donc, si j'ai un conseil à donner, rentrez, suivez les grandes images professionnelles de LinkedIn. Parce que là, vous allez profiter en fait de leur réputation et leur flux. Et là, vous allez rentrer aussi dans le moteur de recherche, vous allez monter en ranking. Je vous ai dit, hein, c'est mécanique à LinkedIn. C'est d'abord mécanique et ensuite, on va aller fignoler et apporter une valeur ajoutée par rapport à ça, par rapport à votre profil pour qu'il se distingue des autres. Vous n'êtes pas le seul ingénieur chimique sur LinkedIn. Donc, il va falloir trouver ce qui vous distingue, vous, personnellement, par rapport aux autres et la valeur ajoutée. Tout à l'heure, je vous entendais vous parler de « je cherchais des postes ». Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous postulez ou vous attendez que les gens viennent vers vous dans votre recherche? Ibit? Pardon, oui, j'avais un problème de réseau tout à l'heure. Ah, pas de souci. Ma question, c'était, vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas eu beaucoup de feedback, mais vous cherchez en actif, c'est-à-dire vous envoyez vos CV ou vous attendez qu'on vous approche? Vous envoyez votre CV par rapport à des postes ou vous envoyez vos CV en rentrant en contact avec des responsables ou vous attendez qu'on vienne vous chercher? Bon, des fois, je vais sur emploi au niveau de LinkedIn. Jobs. Je regarde des offres qui sont appropriées à mon profil. D'accord, vous savez que vous avez une alerte. Vous pouvez aussi programmer une alerte. Oui, oui, oui. Avec les mots-clés, d'accord. J'ai les alertes, oui. Des fois aussi, quand je vois des sociétés pétrolières du Golfe qui font des annonces, bon, je vois s'il y a un poste qui est approprié à mon profil. Bon, j'essaie de prendre l'adresse et d'envoyer. D'accord. Et ça, le volume, ce serait quoi? Une fois par semaine? Des fois, je suis actif. Des fois, je suis actif, mais des fois, je suis découragé. Bon, alors, la recherche d'emploi est un travail à temps plein. La recherche d'emploi, c'est vraiment un travail. On va dire qu'il est irrégulier, tout simplement. Voilà. Mais c'est une activité à temps plein, la recherche d'emploi.
Et c'est une courbe un peu qui répond à la loi normale. Au début, vous allez faire beaucoup d'efforts et ça va être intense. Vous allez envoyer. Alors, on cible les entreprises, on cible l'activité, on cible peut-être aussi par la région et on envoie. Le CV, il faut qu'il soit aussi très cohérent avec votre profil LinkedIn. Votre profil, il est à travailler, hein. Mais votre CV doit toujours être proche de ce qu'on a sur LinkedIn ou la même chose, idéalement. Et au début, vous allez envoyer beaucoup. Il faut attendre avant de recevoir des réponses. Mais à un moment donné, quand vous aurez beaucoup envoyé, bah, la courbe elle va monter, vous allez avoir des retours. Et après les retours, vous allez avoir des entretiens. Donc, c'est un cycle, en fait. Mais l'essentiel, le déclencheur du cycle, ce serait d'envoyer beaucoup de CV, mais ciblés. Je veux dire, pas des CV juste pour envoyer un poste. Des CV ciblés, soit en candidature par rapport à un poste, soit en candidature spontanée. C'est-à-dire que vous voyez qu'une entreprise pétrolière est en train de recruter, ça peut être intéressant de lui envoyer un CV, même si je n'ai pas vu l'annonce. Il faut savoir aussi que les entreprises mettent des annonces là où ils ont du mal à recruter. Parce que des fois, sur LinkedIn, c'est payant, les annonces. Maintenant, c'est devenu gratuit, mais avant, c'était payant. Donc, elles ne vont mettre que les postes qui sont majeurs où ils ont vraiment du mal depuis des mois. Mais si vous voyez une entreprise qui vous intéresse et qui met des annonces, il est fort probable qu'elle ait besoin justement d'un profil comme le vôtre, surtout que votre profil, c'est un profil qui est très important et qui est nécessaire pour toute entreprise, soit dans la pétrochimie, soit dans le domaine pétrolier. Ou voilà. Donc, c'est une approche, en fait, c'est un temps plein. Chercher un emploi, c'est du temps plein, c'est de la patience, c'est de la persévérance. Vraiment, il faut être combatif les jours où c'est moins, on va dire, intense. Bah, à ce moment-là, il faudrait peut-être préparer, voir différents CV. Alors, aussi, un autre point important, vous n'avez pas juste un CV que vous envoyez à tout le monde. Il faut que vous ajustiez certains aspects de votre CV, mettre en valeur, par exemple, votre côté entrepreneur. Et il faut le mettre en valeur parfois et parfois non. Il faut faire très attention parce que quand vous mettez, vous valorisez le côté entrepreneur, eh ben, ils vont se dire oui, mais il ne va pas rester, il a déjà quelque chose. Voilà. Donc, du coup, ça ne rassure pas. Donc là, des fois, il faut dire, il ne faut pas trop dire, et des fois, il faut se laisser une réserve pertinente par rapport au poste auquel vous postulez. Oui, oui. Merci beaucoup. Vraiment, c'est intéressant. Voilà, bienvenue. Quelqu'un qui m'a approché pour me faire. Bon. Merci. On a eu une coupure, Timit. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Oui, je disais, ce dernier jour, il y a quelqu'un qui m'avait approché pour me refaire mon CV. Okay. Pour que ça soit plus aux normes. Bon, je pense que je vais le relancer, Inch'Allah. Ah oui, Inch'Allah. Mais c'est toujours pertinent de travailler son CV. Mais attention, quelqu'un qui vous écrit votre CV, vous êtes une partie active. C'est-à-dire qu'il va inventer les choses. Il va vous aider par rapport à la mise en page. Il va vous donner des conseils par rapport à ça. Mais les objectifs, votre valeur ajoutée, les tâches que vous faites, c'est vous qui lui donnez tout ça. Donc, oui. Moi, ce que je vous conseille, c'est par rapport à un ingénieur chimiste, faites un benchmark africain, européen, américain sur les tâches. Mettez-vous d'accord sur fixer 4 ou 5 tâches que vous savez très bien faire. Bien sûr, l'idée, c'est de mettre ce que vous savez très bien faire. Mettez dans votre CV non seulement les responsabilités, mais aussi les réalisations. Vous avez certainement, en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'ingénieur, des réalisations. Qu'est-ce que vous avez atteint? Alors, souvent, c'est l'objectif dans les postes que vous avez occupés ou sinon l'objectif d'un ingénieur chimiste dans une entreprise industrielle ou sinon pétrochimique. Et après, mettez vos compétences dans l'introduction de votre CV. Présentez-vous. Qui êtes-vous au niveau professionnel, hein? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à une entreprise? Je rejoins Désiré. C'est un rapport de séduction. Vous n'êtes pas le seul. Il faudrait que vous attiriez justement l'attention du recruteur. Et que si par rapport à nous. Si vous me permettez, Inès, je voudrais juste compléter avec Jimmy. En fait, ce que vous êtes en train de décrire, en fait, cette approche par LinkedIn est très, très intéressante. En fait, moi, je voulais poser la question plutôt orientée sur le fondement de la chose. C'est un processus. Quand vous avez dit, tu as dit tout à l'heure, Jimmy, pourquoi tu as essayé, tu n'as pas eu vraiment des offres intéressantes qui correspondent à ton profil. Maintenant, Inès et Désiré vous ont étant donné quelques conseils par rapport à la forme, ce qui est le contenu du CV, etc., et aussi l'approche à travers LinkedIn.
Mais en fait, vous, toi, en tant qu'ingénieur, vous me permettez que je tutoie. Toi, en tant qu'ingénieur, tu connais les process. Donc, le premier fondement, il faut changer. Quand on n'a pas de résultat, il faut changer de méthode. Donc, maintenant, alors, le principe, c'est ça. J'essaie, je n'ai pas des demandes, je n'ai pas des sollicitations, etc. Comment je vais faire? Donc, je dois changer de méthode. Comme l'a bien décrit Inès et Désiré tout à l'heure quand il t'a parlé d'emballer, en fait, tout ça, c'est de la prospection. C'est-à-dire que toi, considère que tes valeurs ajoutées, tes compétences, c'est un produit que tu devrais vendre. Tu dois trouver des acheteurs. La première des choses, quand on parle de prospection, c'est de définir c'est qui ta cible. Maintenant, je suis pour, d'accord, déposer des CV comme ça, etc. Les personnaliser aussi. Mais moi, je voudrais bien que tu t'orientes vers où est-ce que je veux travailler, avec qui je vais travailler, quelles sont les entreprises qui m'intéressent. Et maintenant, tu vas, bon, comme on fait dans le commercial, tu vas rassembler un maximum d'informations sur cette cible. Tu vas les qualifier. Une fois que tu as des informations, maintenant, tu pourrais personnaliser un peu ton offre, ton CV par rapport à cette cible. Et l'approche, bien sûr, ça peut se passer à travers LinkedIn comme à travers un mail. Donc, par la suite, maintenant, comme il a bien dit Désiré tout à l'heure, l'emballer, c'est quoi? C'est tout simplement les compétences que tu voudrais mettre en œuvre. Il faut trouver cette corrélation entre vendeur, toi le vendeur, et l'acheteur. Donc, et ça, c'est un process. Maintenant, comme on dit, pour finir, dans le commercial, si je fais une action, maintenant, par exemple, j'ai statué, je me suis renseigné sur une entreprise qui m'intéresse, je vais postuler, bien sûr, je vais travailler mon profil LinkedIn, je vais travailler mon CV, et maintenant, il n'y a pas de retour. Est-ce que je vais m'apitoyer sur mon sort? Non, intelligemment parlant, toi qui es l'ingénieur, je vais chercher pourquoi ça n'a pas bien marché. Ça, c'est le retour. Cet retour, c'est une étude que tu es en train de formuler. Comme ça, tu orientes encore ta stratégie et ton process d'une manière beaucoup plus définie et beaucoup plus pointue. Donc, je voulais juste t'approcher que finalement, comme tu l'as bien étudié en ingénierie, c'est une ingénierie, c'est un processus qui ne se limite pas. Maintenant, j'ai le retour. Alors, je vais améliorer mon profil LinkedIn, je vais peut-être pointer, peut-être creuser des compétences particulières. Le plus important, c'est de me rapprocher de cet acte qui est la vente, en fait, opportunité et profil. Donc, tout ça, c'est question de préparation, c'est question de processus. Et puis voilà. Donc, ça ne s'arrête jamais. Comme l'a bien dit Inès, c'est à plein temps, jusqu'à ce que tu trouves. Tu fais un PDCA, Jimmy. Un plan act check. C'est un PDCA. Voilà, exactement. Et tu mesures qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, avec quel type de CV, quel type de mots, avec des photos, avec les publications. C'est un ongoing process. Ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et encore, moi, je conseille toujours les gens, même quand ils sont en poste, d'être toujours en veille, une veille passive. Oui. Mais juste parce que les plus belles opportunités viennent quand on ne cherche pas. Malheureusement, ça vient comme ça. C'est la vérité. Ouais. On dit que le succès vient quand la préparation rencontre, ou l'opportunité rencontre la préparation. Préparation, exactement. Donc, il faut toujours soigner cette image, toujours avoir alimenté ce profil LinkedIn, alimenté même avec des réalisations aussi, faire savoir. Même au niveau du poste de travail, une fois que tu as un poste, que tu es en poste, bah, il faut alimenter ton image aussi professionnelle. Elle est toujours très intéressante. Les fournisseurs, les autres parties prenantes avec qui tu vas interagir vont regarder ton profil et ils auront une perception de ta valeur professionnelle. Et ça s'alimente aujourd'hui aussi beaucoup avec le profil, entre autres LinkedIn. Mais j'incite, s'il vous plaît, on parle de LinkedIn, faites attention à vos profils Facebook. Nous, en tant que cabinet, on va aller vérifier, on peut aussi regarder, quand c'est un poste impliquant, le profil Facebook. Et souvent, il y a des ratés. Hein. Je veux dire, fermez vos profils. Je veux dire, faites une photo normale ou mettez la nature, mais fermez votre actualité pour préserver en fait ce côté personnel. Et malheureusement, des fois, on trouve des ratés. Et c'est dommage parce que ça réduit la perception. On va dire, il faut faire attention, surtout quand c'est des avis tranchés ou des réactions un peu particulières, assez appuyées. Donc, allez-y sur la voie de la prudence. Et ayez un profil neutre, ni trop, ni pas assez, mais un profil neutre, si vous êtes sur Instagram ou si vous êtes sur Facebook.
Donc, merci beaucoup, vraiment. Je vois que j'ai été un bon cas particulier. Ah oui, je pense que ça peut servir à tout le monde. Pourquoi? Je pense qu'il y avait Trinité tout à l'heure qui voulait interagir. Je voudrais bien qu'on écoute un peu son expérience. Je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là. Bon, ce n'était pas en réalité un partage d'expérience, en fait. Bon, j'attendais à ce que son débat soit, son cas soit traité, soit fini de traiter, pour que j'aborde un temps soit peu mon cas. C'est une question, en fait, et qui est en relation un temps soit peu avec la préoccupation de je ne sais plus, je me rappelle plus de Timit, voilà. Ah. Mais non, ma préoccupation, elle est celle-ci. Au tout début, il a eu à mentionner que deux statuts, en fait. Le statut entrepreneur et le statut salarié en mode je suis en recherche d'emploi. Mais non, dans ce cas, puisque je crois que c'est Inès qui a parlé de l'algorithme de LinkedIn. Je ne sais pas si c'est Inès. Inès, c'est toi? Oui, c'est moi. Oui. Voilà. Voilà. Parlons de l'algorithme de LinkedIn. Vu qu'il est, il a deux manteaux, LinkedIn va le classer de quel côté, en fait? En fait, ça dépend. Déjà, comme tout positionnement, on va parler en termes de vente de services et en termes marketing. Et avoir un profil LinkedIn, c'est un positionnement marketing aussi. Un positionnement veut dire je vais aller me positionner sur une cible particulière avec des atouts et des compétences particulières par rapport à une cible donnée. Si en tant qu'entrepreneur, vous avez un profil entrepreneur, vous allez cibler des clients. Donc, il faut mettre en avant soit vos produits, la valeur ajoutée de votre produit ou sinon vous en tant que profil d'entrepreneur. Donc là, l'objectif de votre profil, ça va être d'avoir des leads, de rentrer en contact soit avec des fournisseurs, soit avec des clients potentiels. Si vous voulez mettre en valeur le côté recherche d'emploi, là, à ce moment-là, vous allez nuancer sur le côté entrepreneur, c'est-à-dire que vous n'allez pas le mettre en avant, vous allez mettre que vous avez des compétences d'entrepreneur, donc elles peuvent être utiles à une entreprise en tant que intrapreneur, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intrapreneuriat, c'est-à-dire quelqu'un qui, au sein d'une entreprise, va avoir l'autonomie pour gérer tout le cycle business en toute autonomie. Donc, il faut déjà choisir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre profil, qu'est-ce que vous voulez présenter, donc votre positionnement de départ. Peut-être mettre deux profils, peut-être mettre le nom de votre entreprise en page, en profil. Là, ça sera plus vente ou commercial. Et si vous voulez chercher un emploi, à ce moment-là, c'est votre profil personnel, professionnel, en votre nom, pour éviter la confusion. Il n'y a pas pire que lire un profil où on ne sait pas où va la personne. Elle a 5 ou 6 entreprises. Elle peut aussi enseigner. Elle peut aussi. Et là, quand la personne envoie son CV, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle cherche? C'est déjà un entrepreneur. Ou du moins, elle a une carrière académique. Là, cette confusion-là va créer une hésitation et ce n'est jamais bon. Quand on hésite et qu'on reçoit beaucoup de profils, ben, on va aller toujours dans le safe side, on va aller vers les profils où on a moins d'hésitation, où on est un peu plus sûr. Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec ce profil-là, qu'est-ce que vous voulez vendre et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Vous ne pouvez pas, votre profil ne peut pas plaire à tout le monde ou cibler tout le monde. Il doit cibler selon votre objectif et selon le positionnement que vous voulez vous donner à vous-même. Même rentrer en contact aussi, il ne faut pas rentrer en contact avec n'importe qui juste pour avoir le nombre de contacts. Il faut qu'il soit qualifié et ciblé. C'est-à-dire que si vous cherchez, par exemple, vous êtes dans le domaine agricole et vous cherchez à vendre, à exporter dans d'autres entreprises ou dans d'autres pays, à ce moment-là, vous ciblez bien les personnes avec qui vous rentrez en contact. Parce qu'eux-mêmes, ils vont se dire, mais pourquoi ils rentrent en contact avec moi? Peut-être qu'ils ne vont pas accepter cette demande-là. Donc, il faut bien étudier qu'est-ce que vous voulez faire avec votre profil LinkedIn, qui vous ciblez, et par rapport à ça, vous allez ajuster votre profil LinkedIn. Et j'insiste encore, suivez les personnalités LinkedIn
influentes, c'est-à-dire celles qui sont, qui ont beaucoup de suiveurs, qui sont en lien avec votre industrie ou votre activité. Parce que là, vous pouvez gagner beaucoup de choses. Quand ces personnes-là mettent des publications, vous pouvez profiter des personnes qui mettent des commentaires ou qui sont en contact avec eux. Vous allez être en deuxième degré au lieu d'être en troisième degré, par exemple. Et là, c'est intéressant pour vous parce que vous pouvez plus facilement rentrer en contact avec eux directement. Inès, si tu permets, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle Trinity... Allô? Comment ça a coupé? Je pense que l'heure est bientôt terminée. Il reste quelques secondes. Je vous remercie tous. Si jamais ça... Inès, si tu permets. Bien sûr. Trinité, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'as pas mis la vidéo? Non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison? Non. Le débit. Bonjour. Bonjour. Voilà. Florence, tu avais levé la main rapidement. Il nous reste encore 24 secondes. Oui, je veux bien. Moi, j'ai une question. Bonjour, bonjour à tous. Donc, j'ai un prof qui fait des choses incroyables. Et je crois que c'est vraiment pour moi ça. C'est l'impact en fait des mots.